Je mets devant toi le bien et je mets devant toi le mal. Je mets devant toi la malédiction et je mets devant toi la bénédiction. Choisis le bien pour être béni. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on se met à prier pour être béni. Mais il faut se comporter en conséquence. Tu ne peux pas te comporter comme un canard dans la canaille des canetons, dans la canne, et vouloir vivre la bénédiction des aigles. Agis en conséquence. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les récoltera. Galates. Agis en conséquence. Tu verras que tout va changer.